Eh bien, salut à tous les amis, c'est Jimmy. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 8 de Walking Dead. Et mon Dieu, quelle déception. Je sais pas ce qu'ils ont fait pour cet épisode, pour l'épisode 8 de la saison 8, mais voilà, j'ai pas trouvé que c'était un épisode très convaincant, honnêtement. Bon, c'est vrai que la fin, bon voilà, Jésus est mort, hein, mais je sais pas, j'ai pas trop aimé cet épisode, honnêtement. J'ai trouvé vraiment long, il se passait rien du tout. Enfin, je sais pas, c'était un épisode vraiment. J'ai pas trouvé ça si bien que ça, quoi. Il m'a un peu déçu cet épisode comparé à ce qu'on a eu, tout le long de la saison 9, qu'on a eu vraiment des bons épisodes. Là, pour le coup, pour un épisode avant la prochaine fois, ça sera dans 3 mois, je pense, le prochain. J'ai trouvé ça très très moyen. Franchement, j'ai pas grand chose à dire dessus, quoi. Vraiment, bon, il s'est vraiment pas passé grand chose. Bah si, si, il y a eu quelques événements, hein, comme quoi, mais Negan s'est évadé, hein. Negan s'est évadé, d'ailleurs, qui lui a ouvert la porte, je n'en sais rien, peut-être quelqu'un qui a oublié de la fermer ou quoi, je ne sais pas, mais Negan s'est évadé, on ne sait pas ce qu'il va faire par la suite, on n'en sait rien, ça. Les chuchoteurs sont bel et bien arrivés, d'ailleurs, c'est un des chuchoteurs qui a tué Jésus, hein, qui l'a tout simplement poignardé, hein. Jésus, bah, pensait que c'était un rôdeur, et tout simplement, là, qui s'est baissé, et il a retourné, voilà, il l'a tué, quoi. Donc vraiment, ça, vraiment, mais honnêtement, je m'attendais vraiment à une mort un peu plus émouvante pour Jésus, honnêtement. Honnêtement, cette fin d'épisode, ça me donne, bon, si, ça me donne envie de voir la suite, quoi, mais ça me fait pas un gros cliffhanger de ouf, quoi, me dire, j'ai trop hâte de voir la suite, pas du tout, quoi, mais là, la suite, bah, je suis curieux de voir ce que ça va donner, quoi, mais ça, bah, voilà, honnêtement, je sais pas, j'ai trouvé cet épisode vraiment moisi, je sais pas si vous avez la même ressenti que moi, mais j'ai trouvé vraiment, c'était un épisode assez, très, 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 très moyen. Bah, il se passe pas grand-chose, franchement, j'ai pas trop kiffé, quoi, on n'a même pas eu de révélation, qu'est-ce qui s'est passé avec Michonne et tout ça, qu'est-ce qu'il y a eu, pourquoi ils sont en guerre avec le reste des communautés. Bon, on a vu quelques petites choses, hein, donc aussi encore un couple avec le fameux sauveur, je ne sais plus son nom, et Enid, hein, d'ailleurs. Chose qui m'a un peu interpellé, c'est putain, mais le mec il a quel âge, quoi? Enid, elle est 6 ans de plus, elle doit avoir la vingtaine peut-être, et encore moins peut-être. Et là, t'as le mec des sauveurs, putain, mais ce mec-là, il sort avec, quoi, il a au moins 10 ans de plus qu'elle, facile, quoi, donc c'est ça qui est un peu choquant quand même, quoi. Après, bah, Gabriel, bah, qui pète un câble sur Negan. Michonne, voilà, j'ai pas trop. Honnêtement, cet épisode-là m'a pas convaincu du tout, quoi. J'ai été un peu déçu cet épisode. Hein. Pourtant, bon, j'avais envie de voir ce que ça a donné. J'espère vraiment que ça va être un gros épisode. Et au final, très très déçu cet épisode. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu un début de saison 9 très très bon. Hein. Mais bon, c'est vrai que l'épisode dernier il était pas terrible, mais il était tout de même bien, quoi. Mais celui-là, pour le coup. J'ai pas trouvé ça transcendant du tout, quoi. Je trouvais qu'il se passait mais vraiment rien. Après, c'est vrai, hein, c'est bien des séries où il se passe pas grand-chose, c'est bien aussi, quoi. Mais là, pour le coup, pour un épisode de Walking Dead, c'est un peu décevant, hein. Au final, c'est la course contre les chuchoteurs. Hein. Les chuchoteurs, le gros point fort de cet épisode, hein, vraiment, pour nous montrer qu'ils sont bien là et qu'ils parlent d'ailleurs. Hein. Donc j'avais des doutes entre Eugène ou Jésus qui allait mourir. Bah, au final, c'est Jésus qui est mort, quoi. Donc bah, Jésus s'est quand même fait laminer comme une merde, quoi. C'est quand même violent, quoi. Et pourtant, en plus, ce qui est dingue, c'est. Moi, je m'attendais vraiment à une fin du genre, vraiment, on verrait la scène avec Jésus, avec une bonne musique, genre triste et tout ça, à la fin, ou une bonne musique de combat, tu vois. Et au final. J'ai même trouvé cette scène mou, c'est vrai qu'il y a quelques scènes d'acrobatique, quoi, mais il s'est tellement fait niquer Jésus comme une grosse merde, quoi, honnêtement. Enfin, il s'y attendait pas, quoi, il s'est fait poignarder pensant qu'il allait tuer un rôdeur, et au final, un chuchoteur qui te tue, quoi. D'ailleurs, je me pose la question, comment ils font pour guider la meute, en tout cas, parce que c'est vrai qu'ils portent des masques, je sais pas s'il y a autre chose, hein, mais je me demande vraiment comment ils font pour guider la meute. Du coup, voilà les amis, j'ai rien d'autre à dire sur cet épisode. Moi, je suis très très déçu de cet épisode. J'ai pas trop kiffé, honnêtement. Je me suis fait chier dans l'épisode pour vous dire. Hein. Donc, les amis, ben voilà. On attendra 3 mois pour voir la suite. On verra bien. Donc, pour le moment, je suis pas hypé de ouf pour la suite. En tout cas, on verra. Donc, voilà. Donc, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, tout simplement. Hein. Donc, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Et voilà, les amis, sur ce, on se dit ben, à la prochaine pour une prochaine review d'une série. Donc, voilà, bye à tous, les amis.